Développer l'autonomie de votre enfant, c'est important. Mais on commence à quel âge? Comment on fait? Est-ce qu'il y a des trucs? Ben oui, il y en a, parce qu'on a fait une conférence sur le sujet avec la spécialiste Stéphanie Deslauriers. Si je suis surprotégée, le message qu'on m'envoie, c'est « je n'ai pas confiance que tu es capable de relever ce défi-là. Je vais le faire pour toi. » Fait qu'on pense qu'on n'est jamais capable de rien. On pense effectivement ça. En plus, on n'a jamais l'opportunité de se pratiquer. Fait qu'on ne les développe jamais, nos compétences. On n'a jamais pu les mettre en action. Alors ça impacte l'estime de soi et l'anxiété de « ben j'ai peur. J'ai peur si mon parent n'est pas là pour faire à ma place parce qu'on ne m'a pas appris à faire par moi-même. J'ai peur de vivre un échec parce qu'il paraît que c'est la fin du monde, vivre un échec. » Donc oui, fait que ça peut développer beaucoup de stress, de peur et d'anxiété chez les jeunes.